Salut, je voulais juste vous prévenir qu'il y aura quelques soucis de tremblement dans cette vidéo, mais elle est tellement incroyable que je vous la laisse quand même. Donc, c'est parti. Ho ho ho, je suis le Père Noël. T'es pas le Père Noël, Darkbo? Comment ça? Le monde m'aurait donc menti? Ah, je ne peux pas le croire. Je ne suis donc pas un super-héros? Mais qui suis-je alors? Un vieux papy qui se prend pour le bienfaiteur universel. Quoi? Je te permets pas de dire ça, oh! Je pourrais être ton grand-père, vu mon âge! Bah non, parce que mon grand-père, il est bien plus classe que toi! Et puis le Père Noël, de toute façon, il a jamais existé! Oh, il y a bien des choses que tu ignores, mon enfant! Tiens, un cadeau! Oh, merci, Père Noël! Oh oh, tu avoues que je suis le Père Noël! Très bien, eh bien je vais pouvoir faire ma tournée des cadeaux Noël! C'est plus Noël, là! C'est passé depuis 6 mois, Noël! Comment ça, c'est plus Noël? Ah, mais c'est aussi en 6 mois! Et puis, tu m'en veux pas, mon petit, mais j'ai eu un peu de retard à cause de la mère Noël et des lutins. Ils étaient sacrément dissipés. Et puis, on n'est pas à 6 mois près. Donc c'est très bien, le 25 juin! Répandons la magie de Noël! Merde, oh non, non! Donc nous revoilà en jeu, et comme Plaze me l'a proposé dans les commentaires du premier épisode de Minecraft Modé, on va, pourquoi pas, aller attaquer le dragon. Mais avant tout, on doit préparer Noël. 3 secondes plus tard. oups. Et voilà. Je suis mort rapidement. Bon bah, je voulais vous montrer comment faire un feu de camp. Est-ce qu'on peut essayer de retrouver notre stuff déjà? Non, mais... Ah, oui, mon stuff. Non, monsieur le bandit, monsieur le... Aïe. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Alors, je retiens, monsieur le bandit, je ne vais pas vous embêter, je... Merde, oh non. Laisse le Père Noël tranquille. Laisse-moi, je suis le Père Noël, je suis censé t'offrir des cadeaux. Merde, aïe. Il est dans cette grotte, ok, ouais, je vois. Aïe. Merde. Eh bah ouais, oui, on va faire comme la fin de la dernière vidéo, ouais. Et ouais, on va devoir très hard de pouvoir aller le trouver. Allez, décède. Putain, un coup. Ah, une pioche. Casse-toi. Tu me vois pas là, espèce de bandit. Oh non, il me voit, et en plus j'ai un bug d'inventaire, aïe. Non. Tu me vois pas, je refuse. Aïe. Merde. Aïe. Je vais me mettre en créatif. Si ça continue comme ça. What? Non! Mais tu... What? Moi qui voulais augmenter la difficulté. J'avais oublié. Mais non, mais s'il vous plaît. Je voulais même augmenter la difficulté. Je me disais, bon, c'est trop simple. On va rajouter des mobs et tout. C'est pas du tout trop simple. Aïe, laisse-moi tranquille. J'ai des blocs pour ouais. Est-ce qu'il me poursuit? Je sais pas, j'espère pas. Vas-y, on retourne là-bas du coup. Est-ce qu'on peut tryhard vers notre... Toi! Je l'ai tapé 2 fois. Oh yes, mon épée, incroyable. Non, mais s'il te plaît, pas arrête par un squelette. Mais non! Putain, mais y a tellement des mobs plus puissants que lui. Ok, j'ai tapé aucun poulet. Pourquoi je me suis fait tuer par un poulet? Je vais peut-être enlever des modes. Aïe. Je tape à la main. On contourne. Aïe, on contourne. Allez, oui. Incroyable. C'est un squelette vénère. Oui. Non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Aïe. What? Merde. Je croyais l'avoir tué, le poulet démon. Oh mais j'ai... Yes! J'ai une arme à feu au moins. Ouais! Oh non. Oui, je l'ai... Oh Dieu! Parce que j'ai réglé les armes à feu entre temps. Incroyable! Ça fonctionne. Encore un poulet démon. Bon, bah du coup, on va aller récupérer notre stuff à nouveau. Ah, d'accord, midlife. Je me fais tuer partout et n'importe quoi, ouais, c'est incroyable. 12 seconds later. Bon, bah je crois que j'ai plus de stuff. Il y a eu une explosion à l'endroit où il y avait mon stuff. Faut que j'aille en mission récupérer un seau d'eau, parce que là, je crève de chaud dans ma grotte à chaque fois. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Par où est-ce qu'on peut passer, en fait? Ça va encore être la...
Moi, je dis, il faut profiter de cette occasion en or de trouver un bout de bois juste à côté de nous. Bon, on n'a pas ce qu'il nous faut pour nous refroidir, mais on a ce qu'il nous faut pour nous réchauffer au moins. C'est un truc du genre, comme ça, et là, on a notre campfire, on dépose où on veut, et il faut juste l'allumer avec un briquet et se mettre à côté. Et puis ensuite, je vais y aller, peu importe les intempéries, peu importe les conditions extérieures, même s'il y a des monstres qui vont m'attaquer, je vais trouver de l'eau. Allez, on part en expédition. Ah merde, je peux plus courir. Oh, mon dieu, de l'eau. L'agua sacrée. Oh, enfin arrivé. Incroyable, de l'eau. Je vais prendre mon deuxième seau d'eau. Comme ça, on fait une source infinie. Oh, j'ai une source plus près. Incroyable. Allez, let's go. Maintenant, on retourne à la base. Putain, saleté de serpent. Non, s'il te plaît. Ah, fais-moi plaisir. Oh. Allez, aïe, il me... J'ai pas moyen de passer, les gars. Ah, voilà, par derrière, ça peut un peu plus aller. Incroyable, source infinie. Ah, oh mon dieu, je vais avoir un bain glacé, enfin. Ça fait des jours que j'ai pas pris de bain. Ah, oh, Dieu m'a entendu. Il est en train de prendre des dégâts quand même. Ah non, c'est bon, tranquille. Bon, bah moi, je... Ça va mettre trop longtemps pour les décorations de Noël. Je suis désolé, Noël, ça sera en retard. Encore en retard de plus d'un an peut-être. Un an sans doute. J'ai pas envie que ça soit en retard de un an. Ok, du coup j'ai trouvé trois éléments qu'on va pouvoir faire pour Noël. Donc en premier, le sapin de Noël. Ensuite, on aura en deuxième l'étoile de Noël. Et en troisième, le coffre de Noël. Donc bon, le sapin de Noël, ça va pas être de tout repos. Par contre, l'étoile, ça va être simple. Parce qu'il faut juste miner de l'or. Alors que pour le sapin, regardez-moi le craft. Vous le sentez venir. Eh oui, vous le sentez venir. Je dois trouver cet arbre dehors alors que je me fais poursuivre par tous les mobs. Voilà. Mais on va commencer par ça. Comme ça, au moins, on sera dehors. Parce que le dernier épisode, on était quasiment tout le temps en cave. Donc, je me fais ma petite hache en pierre. Comme ça, je me prépare un petit peu à sortir dehors vers l'inconnu. Ok, donc ça, c'est pas du spruce. Aïe, non, pas toi. En tout cas, j'ai bien fait de ramener un seau d'eau. Parce que là, je suis hyper chaud apparemment. Enfin, hyper chaud. Je commence à avoir super chaud dehors. Mais il fait pas si chaud dehors en fait, y a le soleil, on le voit même pas. Je vais pas décéder à cause de la température, les gars. Non, c'est pas parce que je suis dans le désert que... Ok, bon, alors on se casse. Nous, où est-ce qu'il y a pas de désert? Là, c'est une grande étendue d'eau. Ah, on va dire que c'est pas le désert. Non, mais non. En plus, ça freeze maintenant. Ils font exprès. Le jeu fait exprès. C'est improbable. Il y a un autre dragon de feu. Coucou. Aïe. Non, mais je... S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Sois conciliant avec moi. Ok, on se casse. Merde, je vais perdre de la bouffe. Bon bah, désolé mes autruches. Hop, merci. Décède, voilà. Ok, j'ai faim. Transformation en autruche. Vas-y, on la prend. Ok, non, je m'en vais. Je veux pas de serpent, moi. Je vais me faire tuer. Ça freeze à chaque fois qu'il y a des mobs. 12 seconds later. Non, mais non. Il y a des bandits partout. Bon, bah écoutez, je vais foncer, peu importe qui me tue, je vais essayer de retrouver, pas mon stuff, mais du coup, au moins trouver le bois sacré. Un jour, 20 morts et 50 frises plus tard. Genre vraiment, un jour, 20 morts et 50 frises plus tard. Du style, je marche tranquillement, et 5 secondes plus tard, coucou, c'est moi le freeze. Tu m'aimes bien? Non, bah bien sûr que non, je t'aime pas. Bon, bah on est parti pour notre 200e exploration, allez. Ah là 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 là. J'ai décidé d'enlever les modes mots créatures et levels. Ouais. Parce que en fait, je laguais beaucoup trop. Déjà que là, je lague encore un peu. Mais mots créatures était l'un des plus gros modes et je laguais beaucoup trop. Donc à la place, j'ai Jurassic Craft et sinon, il y a toujours les mobs qui m'attaquent dès que je les tape. Et même là, genre il y a à peine 2 minutes, il y a un poulet, je sais pas pourquoi il m'a attaqué alors que je l'avais pas attaqué. Par contre, j'ai fait beaucoup trop de recherches, j'ai rien trouvé. Je vais essayer d'en trouver quand même du bois, donc... Oh, des cerises, je vais manger ça. On va essayer de trouver notre russe. Merde. Attendez. Putain, il y a un dragon de feu là sur mon chemin.
C'est pas possible ça. Même dès qu'il y a presque plus de mob, il y a le dragon de feu pour me faire chier. Le truc c'est qu'il tire des boules de feu alors qu'il me voit même pas à travers les blocs quoi. Là en tout cas merci aux cerises parce que grâce aux cerises j'arrive à tenir un peu en termes de bouffe. Pour la température ça devrait aller, mais la bouffe c'est pas ouf. Il y a vraiment aucun mob aux alentours, donc je vous tiens au courant si je décède. Ah mais t'es vraiment aussi nul. Ouais. Pourquoi tu utilises pas tes super pouvoirs Père Noël? Oula, c'est tendu, je suis très froid. Merde, il me faut un feu de camp, ok. Oh non, oh putain. J'ai pas les coordonnées. Bon bah, on a pas de cerisier, tant pis. Ah. Ok, la nuit c'est comme des mobs hostiles en fait, les moutons. C'est pareil, c'est peut-être pour ça qu'ils m'attaquaient tout à l'heure. Genre ce poulet là. Oh, on a une structure ici sur l'eau. Incroyable. Est-ce qu'on va avoir des choses intéressantes dedans? Alors, c'est là-dedans. Donc, il faut casser à la main parce que j'ai pas de pioche. On va bien voir ce qu'il y a dans ce coffre au moins. Et voilà, alors, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Oh putain. What? Protection 4? Oh putain, il faut pas que je décède comme ça. Blast protection, Fissure Felling, Black Quartz. Incroyable. Diamant, ouais, ok. Et putain, Fortune 3. Ok, bon. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite base en soi là. Là, si je peux pas établir un checkpoint, je sais plus comment on fait, mais si j'arrive à trouver comment on fait, ça serait un bon bail. Ah, j'ai peut-être enlevé le mode. Bon bah du coup, je vais garder les coordonnées puis je le remettrai le mode si jamais je l'ai vraiment enlevé. Donc bon alors les coordonnées sont là-dedans et puis bon le bug d'inventaire, bon je verrai si je trouve de quel mode ça vient, sinon si vous arrivez à trouver parce que vous aurez le mode pack à la fin de cette vidéo, eh bien vous pourrez me dire d'où ça vient, j'enlèverai le mode ou alors je réglerai le problème. Du coup, bon, je vais copier les coordonnées. Et voilà, je les mets dans le chat. Et puis, du coup, je vais les avoir sur mon autre PC aussi. Ok, du coup, j'ai sauvegardé les coordonnées. Donc maintenant, il va falloir essayer de trouver à nouveau le spruce. Voilà, le spruce sacré. Attends, mais tu vas partir avec ce stuff overcheat alors que tu te fais défoncer en boucle. Non, laisse-le là en vrai. Peut-être que c'est une bonne idée de laisser notre stuff là en vrai. Parce que le coffre, le contenu du coffre ne va pas disparaître. Donc, on va laisser tout ce qui est overcheat là dedans et nous on va juste se balader à poil comme le début quoi. 5 minutes later. J'ai complètement soif. Bon on va essayer de se faire des fioles. Allez, c'est parti. Je sais pas faire des fioles mais avec du sable on devrait pouvoir. Au fait, je me rappelais plus du craft basique des fioles de Minecraft dans la séquence qui suit, donc amusez-vous bien me voir galérer. On a besoin de se prendre un petit peu de pierre pour faire un petit fourneau. Donc voilà notre fourneau, on va faire cuire notre sable, comme ça on va voir les crafts qu'il y a avec notre verre. On cherche Taos as Nails. Ah, c'est ça. Saul Vial. Non, c'est pas ça. On va pas trouver avec le nom du mode. On va galérer à trouver, du coup. Sauf si je recherche dans notre petite verre. On cherche les utilités. Et là, on a 68 pales de craft. 12 seconds later. En petit jar. C'est ça. Moi, je dis que c'est ça. Toi, tu ne t'approches pas, monsieur le Creeper Ninja. Aïe. Oh yes. Ah d'accord, il a pas fait de dégâts. Ok, bon bah nickel. On est safe. Donc, notre petite jarre, elle se fait comme ça. Et là, logiquement, on devrait pouvoir prendre... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça pour boire de l'eau. C'est triste. On va devoir prendre autre chose. Bon bah, c'est parti pour trouver quelles autres utilisations à ce magnifique bloc de verre. Ouais. 10 minutes plus tard. Ah, mais oui. Forcément, c'est la fiole. Putain, mais je suis stupide aussi. Bon, alors, c'est la fiole basique de Minecraft. Et là, notre fiole basique, forcément que ça va fonctionner. Putain, pourquoi je l'y ai pas pensé avant? Je suis stupide. Et voilà, notre magnifique fiole. Enfin, nos trois fioles. Et là, on va pouvoir boire l'eau. L'eau, c'est bon. Oh non, Dirty. Oh, elle est sale, c'est vrai, l'eau est sale. C'est du poison de faim. Mais s'il vous plaît, mais non. Je perds toute mon eau, quoi. Bon, bah... Voilà, on va essayer quand même de les remplir et de boire ça. On boit de l'eau sale. Ah, mais ok, il y a peut-être un moyen. Charcoal filter. Donc, comment on fait notre charcoal filter? C'est trop compliqué. Ah non, je suis con. Du papier et du charcoal. Ok, bon alors, où est notre papier? On en a dans notre inventaire. On en a presque ce qu'il faut. Voilà, du papier. Ok, on va pouvoir se faire un petit filtre. 3 secondes plus tard. Non. S'il te plaît, aie pitié, ma petite araignée. Et puis, voilà, merci, ok. J'ai un morph d'araignée, même s'ils sont pas encore réglés, les morphs. C'est pas grave. Ils vont être réglés au plus tôt possible. Calme-toi.
Ça va pas le faire, mon gars, ça va pas le faire. Tu sais bien que je peux pas régène, quoi. Vas-y, je t'attends. Allez, viens, viens. Fais pas ta poule mouillée, mon gars. Quand c'est pour m'attaquer, t'es là, mais que... Ok. Ah, enculé, enculé. Hello, darkness, my old friend. J'avais rien perdu en fait, je crois. J'espère que j'avais rien perdu. J'ai perdu du sable, mais on a du sable pas loin là. Je pense que le Spruce, on va peut-être pas en trouver parce que le biome est tellement... Mais arrête de m'attaquer. Aïe. Oh, le biome est tellement loin qu'on va peut-être pas en trouver du Spruce. On va fêter Noël sans notre sapin. Merde, il y a un mob. J'ai réveillé un peu... Calmez-vous. Où est ma maison? Où est ma maison, s'il vous plaît? Là. Yes. Merci Dieu. Et voilà notre hache. Et maintenant, il nous faut notre seau en plus. Du coup, on va chercher du sapin. Bon, du coup, j'ai trouvé le site Chunk Base sur lequel on va pouvoir chercher notre biome. Donc, pour ça, il nous faut chercher notre seed. Donc, slash seed. Et puis, on va copier notre seed sur notre PC. Donc, on appuie sur Find the Biomes. Et là, on va devoir trouver notre biome. Donc, on va filtrer les biomes selon Giant Spruce Taiga, Giant Spruce Taiga Hills. Et en dernier, on a un autre truc qu'on pourrait mettre logiquement, c'est aussi la neige. Donc maintenant faut trouver sur cette carte où est-ce qu'il peut y en avoir. Si c'est trop loin, moi, je cherchais pas, je vais pas aller maintenant. On a des biomes là, c'est ça? Ça c'est un biome. On est d'accord. Chunk biome snowy mountains en oh 800. Bah vas-y, let's go, on va voir ce qu'il y a là-bas et on verra pour les autres après sinon. Du coup on va en 800. Donc alors on espère qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Donc logiquement le biome. Calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, non, m'attaque pas. Juste une hache en vrai, de toute façon. Oh mon dieu. Ah, je n'avais pas vu ça. Mais oui, est-ce que j'ai choisi mal? What do you prefer, females? What is your name? Continue. Ok, non, ça m'a pas téléporté. Je sais pas à quoi cet item il servait. 3 secondes plus tard. Aïe, c'était juste une plante. Et ho, hé ho, on rentre du boulot, hé ho, dire. Oh, mais quelle est donc cette structure? Incroyable, c'est quoi ça? Jurassic Craft, c'est quelque chose de dinosaure, incroyable. Je vais noter ça sur mon bloc-notes. Allez, continuons de naviguer. Putain, je viens de trouver un autre dragon de feu. Qu'est-ce que je peux mettre comme coordonnées? Oh, j'ai un blockling. Comment capture les blocklings? Après plusieurs recherches. Ok, donc là, si j'ai une fleur et que je fais mage go... Aïe, fais gaffe, je suis dangereux. Non. Je voulais pas t'attaquer, mon bro. Je te le promets. Je voulais juste que tu sois mon ami. Je croyais que c'était genre prendre une fleur et mage gauche. En maintenant la touche mage gauche, vous pourrez récupérer le blockling et le mettre dans votre inventaire. C'est pas ça apparemment. Oh putain, un dragon. Oh, un dragon de glace, incroyable. On est proche de notre biome en plus. Putain, mais il y a un dragon de feu en plus. Hé, je m'en vais. je ne suis pas là. Non, mais incroyable, on a des dragons de tous les types là. Ah, et en plus il y a un mouton qui veut m'attaquer, bon. Tant mieux, j'ai faim, mais... Oh putain, enculé. Viens là mon démon. Merci. Oh, les démons ils donnent de la rotten flèche. Ok, c'est comme des zombies en fait. Bon, nous on est en 600, 800 à peu près. Donc là devrait y avoir du spruce. Yes, on a du spruce. Direct dans le bon biome. Et puis bah moi j'ai noté les coordonnées au cas où, donc ça devrait aller. Donc là il me faut une petite feuille s'il te plaît. Ah mais non, il me faut des cisailles pour les feuilles. Oh, je suis stupide. Non, arrête de m'attaque pas mec. Non, mais ok, du coup je dois m'enterrer ici. Voilà. Ok. Si le destin le veut... Oh, enculé! Cassez-vous. Putain. On fait ça. Enculé. Je casse tous les blocs, ça devient des méchants. Merde, je commence à avoir froid. Il me faut un feu de camp. Comment on fait un feu de camp déjà? Bon, déjà, on s'enterre un peu plus. Ah, enculé! Oh, salaud! Un demi-cœur. Ok. Bon, alors, comment on fait notre feu de camp? Le feu de camp... déjà, il nous faut une petite hache. Ah non, pas une hache, une pioche. Voilà. Ok. Bon, alors, de la pierre normale. Et puis, avec ça, on doit faire comment, déjà? Je sais plus. 12 seconds later. Enculé! Non! J'ai pas eu le temps de... Je suis mort à cause du froid, je crois. Non, mais en plus, j'avais trouvé la recette du feu de camp. Putain, bon bah on va retourner là-bas, j'ai les coordonnées de toute façon. Il y a une araignée. Bon, moi je me casse. Non! 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 Meilleur acteur de l'année. Invitez-moi dans votre prochain film.
Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi un bandit? Bon, on dort, comme ça on laisse passer la nuit, mais il y aura toujours le bandit. Et moi, bah, je vais foncer, puis je vous retrouve seulement dès que je serai dans le biome. Ah, mais non, oui, pas con, il faut venir avec des cisailles, c'est vrai. Ah, il faut que je vois si j'ai de la bouffe, en fait. J'ai jamais fait d'expédition en prenant de la bouffe, c'est peut-être un risque un peu con. Ouais, bah voilà, bah ok, on fait chauffer notre bouffe, et puis ça devrait mieux aller. Je suis confiante. What? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Destrier. Non, hey, calmez-vous. T'étais bloqué, mon gars. Blocking Wrestling by Pegasus. Oh, c'est un Pégase. Ok, mais il est un peu violent, faut pas aller le voir, lui. Il va sauter dans l'eau, je vais rien comprendre. Putain, mais oui, c'est des combats de Pégase. Mais je connais ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe... Ah, mais il y avait du spruce pas loin. Ok, on n'avait pas besoin d'aller aussi loin, en fait. On est en à peine 700 et moins 70. Donc là, il nous faut juste ça. Et là, on a ce qu'il nous faut. Voilà. Merde, il en faut un de plus. Parce que là, j'en ai... Voilà, nickel. J'en ai besoin de deux. On détruit tout. K.O. Ah... Bon, j'ai épuisé mes cisailles du coup. Je suis pas allé de ma morte, j'ai tout pris quasiment. On doit avoir 80 feuilles. Aïe. Ah merde, j'ai soif. Il me faut de l'eau. On fait cuire notre sable. Voilà, comme ça là on va être safe. Et puis on aura tout ce qu'il nous faut. Donc là, qu'est-ce qu'on voulait voir? Notre sapin. Un merveilleux sapin au moins. Nickel. Twist mouse tweet. Incroyable, incroyable, quel beau sapin. Oh yes, on peut le récupérer bien. Hop, des fioles, on s'en bat les couilles si c'est de l'eau empoisonnée. Nous, on n'a pas de filtre ici, je suis désolé les gens. Surtout qu'il n'y a pas de canne à sucre autour de moi en plus. Ok, bon, on prend un peu de stock, même si c'est bah du coup de l'eau pas ouf. Et puis nous, on va se barrer, voilà. Oh et putain, c'est quoi ça? En essayant de rentrer, j'ai trouvé... Mais putain, mais on trouve beaucoup trop de structures. C'est un espèce de village... On a chaud. Non, on a froid, pardon. Je suis désolé, mon gars, mais j'ai trop froid. Donc là, il me faut ça. Ok. Et ça, ok. Il me faut un petit briquet. Allez, du silex, s'il te plaît. Je gèle, mec. Du silex. Putain, non. Ah, voilà, un silex. J'ai pas de bout de fer, donc... putain, c'est la galère. Je dois me casser. C'est pas le bon biome. Je vais décéder, là. Je vais décéder dans l'eau. Incroyable, je mets les coordonnées. Hop. Non, pas toi. Merde. Non, le bateau qui s'en va sous l'eau. Aïe. Aïe, il me faut le bateau, s'il vous plaît, enculé, décède, ah, j'ai froid, ok, 131, 694, coffre, je peux pas poser de coffre, ah, je peux pas faire de coffre, je m'en fous, je me TP mettre un coffre et après je reviens en arrière, parce que là, c'est un bug d'inventaire, j'y peux rien, je suis désolé, mais là, je vais me TP, c'est un peu du cheat, mais le truc, c'est que, ils m'ont pas laissé ouvrir mon inventaire pour mettre un coffre, alors que j'avais de quoi le craft, donc il faut que je puisse le craft, et puis ensuite, je le dépose, comme je voulais le mettre, parce que là, j'avais largement le temps de le faire, mais c'est juste que je pouvais pas ouvrir mon inventaire. C'est bon, j'ai trouvé mon stuff. Ok, j'espère qu'ils vont pas m'attaquer, donc, voilà. Là, il faut que je mette tout dans un coffre. Et ensuite, je me retp à ma base. Voilà, ok. Donc là, faut juste que je revoie à quelle coordonnée c'était exactement. 100, 700. Ok. Let's go en 100, 700. What? Mais il y a des combats de tout et n'importe quoi dans ce monde. Mais vous battez pas, bande de Pégases. Ils ont des ailes en plus. Le monde est cruel. Même les espèces se battent entre elles. Voici une immersion tout à fait normale du comportement de mon jeu toutes les 10 minutes. Il y a même un village. Bon, c'est un village glacé, mais je sais comment faire un feu de camp. Merde. Non. Non, pas ce lag. Bon, bah, voilà, je suis recte par un zombie. Aïe. Merde, j'ai eu un crash. 12 seconds later. What? J'ai été TP sur un arbre. Mais à quel moment j'ai posé aucun bloc, mec? Puis quand je suis arrivé sur un arbre, même sur une pile de pierres. Aïe. Non, c'est moi qui vais décéder. Aïe, aïe. Je vais pas vous attaquer. C'est bon, je maîtrise la situation. J'ai trouvé pas mal de fleurs dans ce biome, donc je les ai gardées pour le craft des guirlandes. Non, s'il vous plaît, pas l'araignée. Vas-y, casse-toi en bateau, oui. Ouais, c'est bel et bien un freeze. Le bateau est le meilleur mode de transport. Oh là, hey, calme-toi, petite araignée. Ah merde, j'ai plus le bateau. Bon, tant pis. Je l'ai abandonné parce que sinon l'araignée m'aurait eu. Hey, qu'est-ce que vous faites?
Non, non, mais calmez-vous. Putain. Non. T'es où l'araignée, saleté? Espèce de salope. Oh, il y en a deux. Bordel de salope, j'ai un demi-cœur. À tout moment, je die. Putain. Ah, enculé. J'étais à 30 blocs de mon coffre. J'ai plus rien à prendre, mec. J'ai rien dans mon coffre. J'ai fait trop d'allers-retours. 3 secondes plus tard. Oh non, pas une araignée. Vas-y, je te défonce à la main. Oh, sneak attack, ça fait x2 de dommages. Ok. Aïe. Non. C'est violent la nuit. Pas du... Aïe. Espèce de brasier de merde. Oh non. C'est le pire. C'est... C'est affreux cette vie. C'est incroyable. C'est quoi ces combats de... Attends, un Pégase qui attaque en bloc. T'as des combats de tout et n'importe quoi dans ce monde. Mais comment on peut survivre dans ce monde? Non, mais pas cette merde. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse face à lui? Je peux pas. Mais non, mais c'est impossible, on est la journée. Désolé d'avoir tué ta famille. Les coups commencent à s'enchaîner. Bernard prend avantage. Oh mon dieu, Jean-Pierre. Jean-Pierre se fait soulever dans les airs. Bernard enchaîne Jean-Pierre et les restes pas là. Jean-Pierre ne connaît plus la gravité. Mais comment va-t-il se reprendre en main? Jean-Pierre commence à rendre les coups. Mais quel retournement de situation. Jean-Pierre n'a pas dit son dernier mot. Et oui, Jean-Pierre est bien parti pour gagner. Et il va gagner. 30 jours plus tard. Aïe. Merde, j'ai oublié. Ah mais j'ai plus de bouffe. C'est la fin. Oh non. Regarde par quoi je suis mort. Il y a un bandit qui m'a encore attaqué. Je suis maudit. Je me fais attaquer que par des bandits à chaque fois quasiment. Enfin même tout et n'importe quoi en fait maintenant. Mais même face à un bandit, je pense pas que je puisse rivaliser avec un se faire. Bah ouais, je pense pas que je puisse rivaliser en fait. Il fait tellement de dégâts, il fait... Il doit faire du two-shot, même peut-être moins, je sais pas. Bon vas-y, on va tuer ces vaches là-bas. On a faim. On met toutes les chances de notre côté, on va aussi prendre de l'eau, même si elle est sale. Ok. Oh merde, oh putain, on peut pas faire de stick avec. Et le pire, c'est que même des fois, les mobs passifs, ils t'attaquent sans raison. Je crois que la nuit devient agressif. What? Il y en a deux. Je pense que là on va survivre, j'espère. Voilà, on boit de l'eau non filtrée. Oh, j'ai dupliqué une fiole, incroyable, comment j'ai fait? Ah ok non. Mais du coup je vois le monde différemment vu que je suis empoisonné avec l'eau. Ah non, j'ai trop chaud, c'est pour ça, merde. Bon bah on va prendre un petit bain. Hop. Aïe. Ah j'ai faim. Oh coup dur. Aïe. Aïe. Je vais mettre toutes les vaches à dos je sens mais... Il y a trop de vaches.
À quel moment je vais pouvoir se la niquer? Non, s'il vous plaît. Soyez sympa. À quel moment il y a cette vision? Non. Non, il y a trop de pages, je peux pas, mec. J'ai faim. Mais c'est quoi ces fanboys? Je suis désolé. Il y a combien de pages? Il y a trop de vaches, mec. Elles sont 15, au moins. Alors non, il y avait 17 vaches. Mais il y en a qui ont été abandonnées en chemin. Là, elles sont moins que tout à l'heure. Il doit y en avoir 5 ou 6 qui sont abandonnées en chemin. Bon, je vous laisse là-bas, mes petites vaches. Regarde, il y en a d'autres qui ont été abandonnées. Je t'ai dit quoi? Oh, mais incroyable. Sous-sol, sous-sol. Sous-sol. Je peux plus sortir. C'est officiel. Attends, ouais, je vais casser juste un seul bloc, comme ça elles vont pas passer. Tac. J'ai besoin d'un peu de bouffe. On entend toutes les vaches autour. Incroyable. Elles sont... Ah, là il y en a une. Oh, c'est une bonne ferme. Oh, incroyable. T'as vu ça, mec? Quelle vache à ferme incroyable, il en reste autour. J'ai faim là. Je suis un génie. Il y a plein de fanboys autour, plutôt des... Aïe. Il reste combien de vaches? Il doit en rester 12, peut-être 10-12, un truc du genre. C'est abusé ça, mec. Mais en vrai, j'ai 10 côtelettes maintenant et je suis full bouffe. Merde, ah non, j'en ai 9, ok. Est-ce qu'on est chaud pour sprinter? Elles sont toujours énervées, les vaches. J'en ai une là. Oh, un œuf, yes. Aïe, bon alors c'est où? Ah, c'est là-bas, derrière. Oh, putain, on a une maison. Yes, j'ai ces trucs. Incroyable, faut faire un lit. Faut faire un lit ici. Oh, mais je suis un génie. J'ai un lit, incroyable. Oh, bah j'attends. J'attends la nuit, moi. J'ai une maison tranquille, là. C'est la maison du Père Noël. Oh, bon, au pire, je peux essayer une minette, là. Aïe, enculé. Aïe, c'est... Ça fait... Bon, ça doit être la nuit. Même pas. Oh merde, je vais geler. Oh, il me faut... Ok. Pierre et... Oh merde. Faut que je dure. 4. 4 planches. Aïe. Je vais geler. Il me faut du charbon, merde. Je vais décéder dans ma maison. Attends. Non, il me faut du fer, c'est ça. Oui, du fer. Putain, je gèle. J'ai combien? J'ai besoin de 1 de gel. Ok, faut que je puisse régénérer au moins avec. Incroyable, dirty. Mon dieu, un de fer, vas-y, let's go, briquet. Comment ça marche cette merde? Allume, allume, non, 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 pas ça. Putain, il fonctionne pas cette merde. Je vais crever de froid, mec. Il faut me brouiller parce que là. Hop, pas rien, mais. Comment ça marche cette merde? Aïe! Ah! Ah! Non! Non, non! Décédons pas! Oui! Il neige en plus, mais je vais décéder, attendez, si on veut pas... Aïe! Non! Mais je suis mort à cause de mon feu de camp, c'est quoi cette merde? Non! J'ai pas eu le temps de dormir! Merde! J'ai rien mis dans mes coffres! Bah, il faut que je me grouille retrouver à nouveau le lieu! 2 heures plus tard... Est-ce que c'est vraiment possible d'atteindre notre lieu de mort? Aïe! Non! Bon bah c'est le décès. Déjà que je lag ici en plus. Du coup on va miner un stuff en fer parce que sinon on va se faire défoncer là-bas. Ou alors un autre matériau. Mais ce qu'il me faut c'est un stuff déjà. Comme ça après je vais... De toute façon les checkpoints ils fonctionnent pas pour le moment à cause de réinstallation de PC. Et du coup je vais voir si je peux pas le faire refonctionner. Sinon bah je mettrai un autre mode de checkpoint. Parce que là actuellement c'est pour ça qu'il y a pas de checkpoint. C'est parce que j'ai pas réussi à installer Light Loader avec Forge. Et voilà. Et du coup je vais devoir installer un mode normal voxel map peut-être. Donc bon, nous on va aller en grotte. Et puis voilà, on va se faire une armure en fer au moins. Comme ça, on sera bien plus préparé pour notre aventure et puis retrouver notre coffre perdu. Donc, c'est parti. Ok, je suis prêt. C'est là-bas.
Entre temps, on va prendre un petit mouton. On fait gaffe aux deux autres moutons là qui veulent m'attaquer. J'utilise pas encore l'arc. Hop, hop, décédé, merci. Tac, allez, c'est parti. Ah, et puis là, on a de quoi prendre un seau d'eau. Parfait, on va pouvoir se refroidir au cas où. 5 minutes later. Ne me tuez pas là, s'il vous plaît. Les gars, non, non, mais non, non, là par contre, je lag. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Là par contre, c'est du lag. Si je décède là, c'est du lag. C'est... Mais non, putain. Oh, au moins, j'ai les coordonnées. Mais les gars, non, mais je peux... Comment je peux survivre dans cette merde? Vraiment, même en full fer, là, je suis mort. La meilleure technique, c'est d'y aller no stuff. Incroyable. Allez, mon stuff, il est où? Oh, il est tombé en dessous, du coup. Hop, merci. Voilà, j'ai de quoi me défendre, normalement, là. Oh, c'est quoi, ça? Cryptéon Dust? Ok, je sais pas. Et yes, on a notre épée. Donc là, ici, on a une petite base de repli. Vous savez quoi, moi je vais faire des points de repli où je vais mettre des coffres. Comme ça j'aurai plusieurs bases à plusieurs échelons par rapport à mon lieu où j'ai le plus déjà. Voilà notre double coffre. Et là j'ai envie de déposer mon stuff en vrai. Juste je garde peut-être la hache et le reste je dépose parce que sinon je vais me faire défoncer. De toute façon j'ai déjà noté les coordonnées donc ça devrait être ok. Bon au moins on a un drou, c'est safe. Ça fait quoi si on allume ça d'ailleurs? What? À cause du lag, je me suis fait défoncer par des zombies. Enfin, je crois. Il m'a même pas attaqué, non, abuse pas. What? Il y a deux dragons. Incroyable. Mais il y a beaucoup trop de dragons dans ce mode. Deux dragons de terre juste à côté. Un là, un là. Oh mon dieu, incroyable, il y a toujours mes items. Oh, oh! Aïe, aïe, je suis con. Ok, c'est bon. Bon, bah, ça fait toujours de la chaleur. C'est fou, ça. Il me faut un coffre, du coup. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va tout mettre dedans. Et là, on a des spruces autour de nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refarmer un sapin. Donc, voilà notre fer. On en prend deux. On peut dormir dedans. Ah non, non, il y a des monstres autour. Où est l'endroit où j'ai le plus de stuff? C'est pas ici en soi. Mais là, c'est un bon biome aussi. Donc, faudra voir si je peux pas switch entre des checkpoints. Il y a peut-être un mode qui permet ça. Les téléportations entre différents endroits. Mais ça, faut que je m'informe entre temps, entre les épisodes. Et que je vois comment on fait pour faire ça. Pour le moment, on va juste faire cuire notre fer. Comme ça, on va se prendre les feuilles autour. Et puis au moins, se faire un petit sapin. Là, on peut pas dormir. Toujours pas. Il faut attendre. Je vais rester là. Je vais attendre que je puisse dormir. Ah, je peux dormir. Voilà. Comme ça, là, je vais dormir. Je mets mon point de spawn ici. Là, on a nos cisailles qui vont nous permettre de faire notre sapin de Noël. Donc, en dernier, on va juste prendre de l'or dans les grottes. Voilà. On va pas être trop gourmand. On en prend que 10. Ça... Est-ce que je peux... Ouais, je peux pas le reprendre. Donc, il faut que je fasse une hache. Il faut juste que je prenne du bois au plus vite. Comme ça, je vais pouvoir refaire mon item. Et de toute façon, je vais respawn ici, normalement, dès que je meurs. En tout cas, on met nos trois pierres, notre bois, et on a un nouveau feu de camp. Par contre, faut éviter de le mettre là-dedans. Donc, faut qu'on se fasse une salle spéciale. Et pas au niveau de la terre, sinon on va se faire défoncer par un monstre, déjà. Donc, au niveau de la pierre, comme ça, il y a aucun monstre qui peut sortir de la pierre, logiquement. Enfin, on espère. Ok, parfait. Oh. On le met là et merde, il faut l'activer parce que là on a froid. Et là, ce qu'il faut faire, mais bon, j'avais pas les particules activées, du coup je voyais pas. Hop, clic droit dessus et ça veut pas le chauffer, s'il te plaît. Ok, il faut un briquet peut-être. Enfin, avec un bâton, je veux dire, c'est censé l'activer. Donc briquet, bon là, c'est obligé. Voilà. Et du coup, faut pas aller dedans parce qu'on crame si on va dedans. On a de quoi se faire une gourde. Une gourde, ça se fait comme ça. Voilà. On a une gourde. Parfait. Je décède à cause de l'eau ou du gel, je sais pas. Bon bah, on est à côté de notre feu. On va décéder ici, je crois. Voilà, je suis mort. Je respawn au bon endroit. Bon, si ce n'est que je respawn en dehors de ma maison. Mais au moins, j'ai une magnifique maison. 3 minutes plus tard. C'est la maison du Père Noël. Waouh. C'est l'antre du Père Noël. Ceci est un vrai rage kit. J'ai repris 2 heures plus tard. Oh, incroyable. C'est quoi ce truc solidify d'expérience? On peut faire des smiley cloud. Incroyable. Est-ce qu'on a pas? On a combien de laine? 3? Ouais, vas-y, on va se faire un smiley cloud. On a de quoi se faire assez de laine. Parce qu'on a de la laine qui nous protège, là. Donc là, si on prend ça, on a de la laine en plus. Et on va se faire un smiley cloud. Tac. Et là, 4 laines pour ceci. Incroyable. Est-ce qu'on le pose là? Vas-y. What? On peut poser des trucs? Salut. Non, on va l'appeler quoi? Je vais passer un nom pour le cloud. Bonsoir. Non, mais je sais pas, c'est pas un nom. Jean-Jacques. Oh, Jean-Jacques The Smiley Cloud. Il s'appelle Jean-Jacques. Incroyable. Mais attends, mais c'est vrai.
C'est pas un animal, non? Mais pourquoi il y avait des cœurs au-dessus? Pourquoi il y a des cœurs? Je sais pas. Bon, ok. D'accord. Et là, du coup, level, on va monter... Non! Non! Il y a un creeper qui est monté chez moi. C'est pas possible, ça. À aucun moment, t'as le droit de faire ça, mon gars. À aucun moment, t'as le droit d'exploser ma baraque et même mon lit. Et ouais, du coup, il est un peu enflammé, là. Putain, incroyable. Ok, bon, bah, on reprend tout. Là, il faut que on bloque ça. Hop, voilà, c'est bon, c'est bloqué. Et maintenant, ok, on va tout reprendre et poser un coffre. Du moins, si j'arrive à trouver un coffre. Parce que là, j'ai pas de planche. Et puis, j'ai... Ouais, ok, faut descendre directement là. Tous nos items sont dans l'escalier. Ils sont tous descendus. Mais non, mais bon, ok. Il y a un zombie en plus. Oh, mais quel salaud! Fallen Knight, c'est abusé cela. Depuis quand il y a autant de mobs qui sont apparus en si peu de temps? On a perdu tellement d'éléments. Il y a des creepers en plus et tout. C'est tellement pas un bon bail ici. Ah, est-ce qu'on a encore nos minerais déjà? Je sais même pas. J'ose même pas regarder si on a tout notre fer. Là, tac, tac, voilà. En fait, je crois qu'il faut éclairer notre escalier parce que là, il est pas du tout éclairé. Ah, mais si, j'ai de quoi. Là, j'ai des trucs en plus. Yes, stop. Merci, vous vous arrêtez là, les items. Ah, mais non, quel con. Il fallait pas enlever cette source. Bon, bah, tant pis. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est le bois qu'il y a là-dedans. Il faut que je le prenne. Comme ça, je peux faire un nouveau coffre. Ah, il y a rien. Il y a quasiment rien comme bois. Bon, bah, écoute. On va devoir se chercher du bois. Et mon smiley, il est plus là. Non, coup dur. On a plus notre smiley emoticône. Hello, darkness, my old friend. Très longtemps plus tard. Alors oui, mais non. Oui, j'ai fait un tunnel depuis ma base jusqu'ici. Car mon igloo s'est un petit peu fait exploser. Et le lit avec. Mais non, j'ai pas réussi à re-rejoindre mon igloo en survie cette fois-ci. Ouais, car j'ai bien réussi à le rejoindre une fois pour ensuite décéder 2 minutes plus tard. Donc là, les items, on va devoir les laisser. Parce que ça serait de la triche si je les prenais. Et d'ailleurs, c'est normal que mes items soient encore là 2 heures après que le creeper m'ait explosé mon En fait, j'ai rajouté un mode qui permet que les items qu'un joueur lâche à sa mort restent plus longtemps en place avant de disparaître. Ouh. Quoi? Comment ça? Ouh. Attends, mais tu triches, Père Noël? Bah non, je triche pas. C'est juste que vu que je devais parcourir 600 mètres pour rejoindre mon stuff, et que vous l'avez bien vu, les monstres, ils sont pas très sympas dans ma série. Comme la température, d'ailleurs. Du coup, j'ai décidé de me laisser plus longtemps pour récupérer les items que je perds à ma mort. Normalement, les items disparaissent au bout de 5 minutes. Moi, j'ai augmenté ça à 1 heure. Et je crois que c'est même plus que ça, en vrai. Ah, ok. Mais il faudra que tu mettes juste 1 heure, alors. Ouais. Je réglerai ce petit souci. Car oui, mon enfant, je ne triche jamais, moi. C'est faux. Il m'arrive de tricher de temps en temps, mais là, je vous jure, j'ai pas triché. Aïe, aïe, aïe. Du coup, je vais devoir rejoindre cet igloo en survie dans le prochain épisode. Mais comment je vais faire? Non, parce que vous ne le savez pas, mais pour creuser le tunnel de ma base à cet igloo, j'ai pris 5 heures. Et puis, je suis mort 20 de fois à cause de la chaleur, parce que la lave, c'est chaud, putain. Donc, pour ne pas mourir de chaud les prochaines fois dans ce tunnel, je devrais retirer 5 ou 6 lacs de lave ou me faire une armure en diamant. Car le mode Taos has Nails, celui qui rajoute la température corporelle, il ajoute aussi des moyens de se réchauffer si on a trop froid, ou de se refroidir si on a trop chaud. Et l'armure en diamant est le moyen le plus simple de me refroidir, surtout avec mes connaissances actuelles. Après, il faudra voir si cette armure me refroidira assez si je passe à un bloc de la lave. Mais ça, c'est une autre histoire. Et de toute façon, j'ai trouvé d'autres solutions pour parcourir de longues distances sans prendre un seul dégât. Mais je vais pas trop vous spoiler. Du coup, vous verrez ça dans le prochain épisode de Minecraft Modé. Ah, mais t'es sûr que t'y arriveras, Père Noël? Parce que dans cet épisode, t'as juste trouvé un sapin de Noël que t'as perdu dans un igloo à 600 mètres de toi. Oh, vous en faites pas. Cette fois-ci, je réussis à mon coup. Bon, du coup, c'est la fin de la vidéo. Et comme promis dans le premier épisode de Minecraft Modé, vu qu'il a atteint les 10 likes que j'avais fixés, je vous partage enfin le modpack de ma série Minecraft Modé. Ouais! Du coup, allez dans la description de cette vidéo si vous voulez voir comment installer mon modpack, parce que j'ai fait une vidéo tuto d'installation selon différentes manières, donc 3 manières pour installer le modpack. En premier, le Technic Launcher, ensuite Minecraft Forge Basique, et en troisième, MultiMC. Cette vidéo est d'ailleurs disponible sur ma chaîne secondaire DarkBoof, parce que je voulais pas mettre cette vidéo sur cette chaîne YouTube. Ouais. Du coup, j'ai créé une chaîne secondaire uniquement pour la vidéo tuto d'installation du modpack de ma série Minecraft modé. Donc vous attendez
pas à avoir beaucoup de vidéos arriver dessus prochainement. Et puis de toute façon, je vous préviendrai sur mes réseaux sociaux quand j'utiliserai vraiment cette chaîne pour des best-of de live par exemple. Ou même pour d'autres vidéos moins travaillées qui auraient moins leur place sur cette chaîne principale. Sachez d'ailleurs que j'ai pris très longtemps pour tourner cet épisode. Du coup, j'ai aussi publié l'enregistrement complet de cette vidéo sur ma chaîne secondaire. Enfin, je l'ai peut-être séparé en deux parties vu qu'il y a une limite de 12 heures d'enregistrement sur YouTube. En tout cas, vous retrouvez cette vidéo ou alors ces vidéos dans la description de cette vidéo. Et peut-être qu'elle va mettre longtemps à arriver, même sans doute, parce que le rendu est censé durer 4 jours. Voilà, parce que j'ai 16 heures de vidéo à rendre. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de trouver, à la dizaine de gigas près, combien pèse le dossier de l'épisode 2 de Minecraft modé. Mais pourquoi on chercherait ça? Bah parce que si vous m'envoyez vos estimations sur Twitter ou Discord, le premier qui trouvera le poids de mon dossier à 10 gigas près, je lui offre un grade VIP plus à vie sur mon serveur Minecraft Identity. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre plus gros like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis, et joyeux Noël à tous! Ouais, désolé du retard. Allez, tchuss! Putain, j'ai réussi à sortir cette vidéo un mois après la date de sortie que j'avais prévue. Et maintenant, on crève de chaud du coup.